Les vacances sont arrivées et tu as envie de t'accorder du temps au calme, de méditer, de relire ou parcourir les textes bibliques, mais pas dans un but précis, juste pour flâner, par plaisir et désaltérer ton âme sous la tiédeur du soleil estival. Voici deux ouvrages qui sont faits pour toi. Chacun contient 30 courts passages des Écritures commentées. La dose prescrite par l'auteur est d'un passage par jour, mais si tu es gourmand, il n'y a aucun risque d'indigestion à en consommer plus. Car le style est fluide, dans un langage courant et très accessible. Il ne s'agit pas d'exégèse, parfois plus lourde à digérer et qui demande une sérieuse concentration, mais d'interroger la signification du texte. L'auteur souhaite faire déguster par petites bouchées les différents versets, pour que chacun en découvre les saveurs lorsqu'ils fondent sous la langue. Pour cela, chaque chapitre se termine toujours par les mêmes questions. Qu'est-ce qui m'a interpellé dans le texte? Quels sont les sentiments ressentis à la suite de sa lecture et à celle de son interprétation? Quels mots me viennent pour prier? Et enfin, qu'est-ce qui me permettrait d'aller plus loin? Rafraîchissant, ces ouvrages mettent en dialogue avec la parole et nous entraînent tout doucement vers la méditation. Pour les plus courageux, il est bien sûr possible de s'équiper d'une Bible pour approfondir. Mais pas besoin d'aller très loin car les perles et trésors qu'il s'agit de trouver sont simplement enfouis dans nos cœurs et l'écriture sert d'outil pour les mettre au grand jour.